Appelez Sierra en sortie, Hôtel Whisky. Hôtel Whisky, rappelle Sierra. En puissance, c'est affiché. Les gars, pas de l'info, parachutage. Reçu, parachutage. Pas d'alerte active, pas d'alarme, on poursuit le décollage. 59. 55, rotation. Et il est 03. Bravo uniforme, écho unité. Rappelez final, bravo uniforme. On rappelle en final, bravo uniforme. Fox Echo Papa au point d'attente Alpha, je pénètre, je valide, devin principal. Reçu, rappel aligné prêt. Rappel aligné prêt, Echo Papa. Bravo uniforme, c'est pour l'herbe. Alors la piste en dur, bravo uniforme. Reçu. Donc Echo Papa, décollage immédiat 20 principal, le vent 180 degrés pour 9 nœuds. Décollage immédiat, Fox Echo Papa. Rappelez Sierra en sortie, Hôtel Whisky. Hôtel Whisky, rappelle Sierra. En puissance, c'est affiché. Les gars, pas de l'info, parachutage. Reçu, parachutage. Pas d'alerte active, pas d'alarme, on poursuit le décollage. 59. 55, rotation. Et il est 03. Bravo uniforme, écho unité. Rappelez final, bravo uniforme. On rappelle en final, bravo uniforme. Fox Echo Papa au point d'attente Alpha, je pénètre, je valide, devin principal. Reçu, rappel aligné prêt. Rappel aligné prêt, Echo Papa. Bravo uniforme, c'est pour l'herbe. Alors la piste en dur, bravo uniforme. Reçu. Donc Echo Papa, décollage immédiat 20 principal, le vent 180 degrés pour 9 nœuds. Décollage immédiat, Fox Echo Papa. Rappelez Sierra en sortie, Hôtel Whisky. Hôtel Whisky, rappelle Sierra. En puissance, c'est affiché. Les gars, pas de l'info, parachutage. Reçu, parachutage. Pas d'alerte active, pas d'alarme, on poursuit le décollage. 59. 55, rotation. Et il est 03. Bravo uniforme, écho unité. Rappelez final, bravo uniforme. On rappelle en final, bravo uniforme. Fox Echo Papa au point d'attente Alpha, je pénètre, je valide, devin principal. Reçu, rappel aligné prêt. Rappel aligné prêt, Echo Papa. Bravo uniforme, c'est pour l'herbe. Alors la piste en dur, bravo uniforme. Reçu. Donc Echo Papa, décollage immédiat 20 principal, le vent 180 degrés pour 9 nœuds. Décollage immédiat, Fox Echo Papa. Là, tu m'entends quand je parle ou pas? Ouais, 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 t'as entendu, ouais. Donc là, je crois que je vois le terrain, là. Non, il est à peu près. Non, je vois pas. Non, il est derrière. Il est juste... Non, il est à droite, là, voilà. Là, on arrive en étape de base. On dit une pipe. Le terrain, tu le... Ouais, moi, je le vois parce qu'on voit la ferme qui est à côté. Ouais, 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 ouais.
Là on est en base. Ouais. Là il y a l'autre caméra qui le filme. Donc le terrain vient de disparaître, c'est normal. Voilà. Et là on va virer en finale, on se met sur l'ILS. On vire. Et on filme devant. Et vous avez peur, c'est normal. Yes. Et là on voit la piste qui est là. Voilà. Tu vois la piste quoi. Si tu le vois pas. Ah oui, je la vois. Ah, je la vois pas bien, je la vois pas bien. Faut que ça se couche encore. Là, je pique un peu plus, voilà. Ouais, ouais. Et t'as mis autotension, bien sûr, en seuil, hein. Histoire de... Et là, on dégage à droite. De mettre un petit vent. Ah, vache. Ah ouais, ouais, ouais. Magnifique. Excellent. Vous voulez qu'on pose ou pas, alors? Hein? Vous voulez vous la toucher? Allez, toi, toucher, ouais, ouais, moi je... Allez, on, ouais. On ressort de là, voilà. On va. Ah, mais poser, tu le poserais, c'est pour décoller, quoi. Ah oui, pas ah. Déjà... Même seul, j'hésiterai, hein. Je vais pas prendre le on arrive en base, Grand Pyrus. Au revoir. Tu m'entends quand je parle ou pas? Ouais, 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 t'as entendu, ouais. Donc là, je crois que je vois le terrain, là. Non, il est à peu près. Non, je vois pas, non. Non, il est derrière. Il est derrière. Non, il est à droite, là, voilà. Là on arrive en étape de base. On dit une pipe. Le terrain tu le vois? Ouais, moi je le vois parce qu'on voit la ferme qui est à côté. Ouais, 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 ouais. Là on est en base. Là, il y a l'autre caméra qui le filme. Donc le terrain vient de disparaître, c'est normal. Voilà. Et là, on va virer en finale, on se met sur l'ILS. On vire. Et on filme devant. Et vous avez peur, c'est normal. Yes. Et là, on voit la piste qui est là. Voilà. Tu vois la piste quoi. Si tu le vois pas. Ah oui, je la vois. Ah, je la vois pas bien, je la vois pas bien. Faut que ça se couche encore. Là, je pique un peu plus, voilà. Ouais, ouais. Et t'as mis autotension, bien sûr, en seuil, hein. Histoire de... Et là on dégage à droite. De mettre un petit vent. Ah vache. Ah ouais, ouais, ouais. Magnifique. Excellent. Vous voulez qu'on pose ou pas alors? Hein? Vous voulez vous la toucher? Allez, toi, toucher, ouais, ouais, moi je... Allez, on ressort de là, voilà. Ouais. Les 30 novembre, on arrive en base, Grand Pyrus. Au revoir. Là, tu m'entends quand je parle ou pas? Ouais, 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 ouais. Entendu, ouais. Donc là, je crois que je vois le terrain, là. Non, il est à peu près. Non, je vois pas, non. Non, il est derrière. Non, il est à droite, là, voilà. Là, on arrive en étape de base. On dit une pipe. Le terrain, tu le... Ouais, moi je le vois parce qu'on voit la ferme qui est à côté. Est. Ouais, 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 ouais. Là, on est en base. Ouais. Là, il y a l'autre caméra qui le filme. Donc le terrain vient de disparaître, c'est normal. Voilà. Et là, on va virer en finale, on se met sur l'ILS. On vire. Et on filme devant. Et vous avez peur, c'est normal. Yes. Et là, on voit la piste qui est là. Voilà. Tu vois la piste quoi. Si tu le vois pas. Ah oui, je la vois. Ah, je la vois pas bien, je la vois pas bien. Faut que ça se couche encore. Là, je pique un peu plus, voilà. Ouais, ouais. Et t'as mis autotension, bien sûr, en seuil, hein. Histoire de... Et là, on dégage à droite. De mettre un petit vent. Ah, vache. Ah ouais, ouais, ouais. Magnifique. Excellent. Vous voulez qu'on pose ou pas, alors? Hein? Vous voulez vous la toucher? Allez, toi, toucher, ouais, ouais, moi, je... Allez, on ressort de là, voilà. Oh, ah, mais posez. Au revoir. Là, tu m'entends quand je parle ou pas? Ouais, 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 entendu, ouais. Donc là, je crois que je vois le terrain, là. Non, il est à peu près. Non, je vois pas, non. Non, il est derrière. Il est derrière. Non, il est à droite, là, voilà. Là, on arrive en étape de base. On dit une pipe. Le terrain, tu le vois? Ouais, moi je le vois parce qu'on voit la ferme qui est à côté. Ouais, 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 ouais. Là on est en base. Ouais. Là il y a l'autre caméra qui le filme. Donc le terrain vient de disparaître, c'est normal. Voilà.
Et là, on va virer en finale, on se met sur l'ILS. On vire, et on file devant. Et vous avez peur, c'est normal. Yes. Et là, on voit la piste qui est là. Voilà. Tu vois la piste, quoi. Si, tu la vois pas. Ah oui, je la vois. Ah, je la vois pas bien, je la vois pas bien, faut que je encore. Là, je pique un peu plus, voilà. Ouais, ouais, et t'as mis une autotension, bien sûr, un seuil, hein. Histoire de... Et là, on dégage à droite. De mettre un petit vent. Ah vache! Ah ouais, ouais. Magnifique! Excellent! Vous voulez qu'on pose ou pas alors? Hein? Vous voulez vraiment toucher? Allez, toi, toucher, ouais, ouais, moi je... Allez, on ressort de là, voilà. On va. Ah, mais poser, tu le poserais, c'est pour décoller, quoi. Ah oui, pas déjà. Même seul, j'hésiterai. Hein. Pousse, réduis un petit peu les gaz, qu'on soit pas trop rapide. Ça retire? Réduis un petit peu les gaz, voilà. Ça dirait un petit peu moins vite. Voilà. Regarde, on remonte ça. Et non, toujours pas. Allez, allez, on tourne. On tourne et on pousse. Allez, on pousse. On pousse sur le marche. Et on tourne. Allez, vas-y, vas-y. Tire un peu, tire un peu, tire un peu. Tire sur le marche. Tire. Voilà. Et on va tout droit. Voilà. C'est joli là. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Alors on va faire gaffe qu'on risque d'être ébloui par le soleil de l'autre côté là, ouais. Mais c'est pas grave, on ira tout droit et on montera. On va pas plus bas, ça sert à rien honnêtement. C'est... Va bien tout droit là-bas. On sera la première là. Mais non, on va à gauche nous. D'accord. Pour ça je te dis va bien à droite. Ok. On connaît le temps de pouvoir bien tourner à gauche et ne descend pas. Donc ça c'est le contraire de tout à l'heure. À 2000 ça passe, ça va pas plus bas. Là tu peux te remettre en croisière, hein, voilà, tu peux te remettre... Non c'est bon pour le soleil, tu peux y aller, voilà. Allez, on met tout bien à 80. Allez, allez, hop. Il va pas plus bas, hein, bon. Là, c'est... il n'y a aucun intérêt. Ouais. Ah c'est la petite gâterie, c'est mon petit. La petite gâterie. Ah mais ça prend un exercice hein. Avec le soleil en plus. Ah, faire gaffe, les éclairages c'est vachement dangereux en montagne. C'est un truc auquel il faut vraiment bien penser. Là encore ça va assez large, tu peux. Mais certains décollages, ça peut être dangereux, hein. Certains décollages ou atterrissages, hein, c'est. D'ailleurs, ça fait partie de la reconnaissance qu'on fait. Oui, dans la reconnaissance haute ou basse. Haute. Ah bah oui, c'est pas la peine de faire la basse si tu peux pas la poser. Hein, ouais. Non mais par rapport au soleil, tu sais quand on dit... Oui mais je dis, voilà, c'est voilà, la reconnaissance haute, tu vas prendre en compte l'environnement et le terrain. D'accord. Donc si au niveau de l'environnement, tu sais que tu ne pourras pas poser soit à cause du vent, soit à cause de l'éclairage, soit à cause de quelque chose d'autre, voilà. Ben c'est pas la peine de faire la basse. Ouais. Pousse, réduis un petit peu les gaz, qu'on soit pas trop rapide. Ça retire. Réduis un petit peu les gaz, voilà. Ça dirait un petit peu moins vite. Voilà. Regarde, on remonte ça. Mais non, toujours pas. Allez, allez, on tourne. On tourne et on pousse. Allez, on pousse. On pousse sur le marche. Et on tourne. Allez, vas-y, vas-y. Tire un peu, tire un peu, tire un peu. Tire sur le marche. Tire. Voilà. Et on va tout droit. Voilà. C'est joli, là. Ah ouais. Ah ouais. Alors on va faire gaffe qu'on risque d'être ébloui par le soleil de l'autre côté là, ouais. Mais c'est pas grave, on ira tout droit et on montera. On va pas plus bas, ça sert à rien honnêtement. C'est... Va bien tout droit là-bas. On sera la première là. Mais non, on va à gauche nous. D'accord. Pour ça je te dis, va bien à droite. Ok. On connaît le temps de pouvoir bien tourner à gauche et ne descend pas. Donc ça c'est le contraire de tout à l'heure. À 2000 ça passe, ça va pas plus bas. Là tu peux te remettre en croisière, hein, voilà, tu peux te remettre... Non c'est bon pour le soleil, tu peux y aller, voilà. Allez, on met tout bien à 80. Allez, allez, hop. Il va pas plus bas, hein, bon, là, c'est... il n'y a aucun intérêt. Ouais.
Ah, c'est la petite gâterie, c'est bon. La petite gâterie. Ah, mais ça fait un exercice, hein. Avec le soleil en plus. Ah, fais gaffe, les éclairages, c'est vachement dangereux en montagne. C'est un truc auquel il faut vraiment bien penser. Là encore, ça va assez large, tu peux. Mais certains décollages, ça peut être dangereux. Hein. Certains décollages ou atterrissages, hein, c'est. D'ailleurs, ça fait partie de la reconnaissance qu'on fait. Oui, dans la reconnaissance haute ou basse? Haute. Ah bah oui, c'est pas la peine de faire la basse si tu peux pas la poser. Hein, ouais. Non, mais par rapport au soleil, tu sais, quand on dit. Oui, mais je dis, voilà, c'est. Voilà, la reconnaissance haute, tu vas prendre en compte l'environnement et le terrain. D'accord. Donc si au niveau de l'environnement, tu sais que tu ne pourras pas poser soit à cause du vent, soit à cause de l'éclairage, soit à cause de quelque chose d'autre, voilà. Ben, c'est pas peine de faire la basse. Ouais. Pousse, réduis un petit peu les gaz, qu'on soit pas trop rapide. Ça retire. Réduis un petit peu les gaz, voilà. Comme ça, on ira un petit peu moins vite. Voilà. Voilà, on remonte ça. Mais non, toujours pas. Allez, allez, on tourne. On tourne et on pousse. Allez, on pousse sur le marche. Et on tourne. Allez, vas-y, vas-y, tire un peu. Tire sur le manche, tire. Voilà. Ouais, on va tout droit. Pas, mais quoi. Voilà. Ça montera au uniforme, on monte à l'air pour la 31. C'est joli, là. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon. Alors, faire gaffe qu'on risque d'être ébloui par le soleil de l'autre côté, là, ouais. Mais c'est pas grave, on ira tout droit et on montera. On va pas plus bas, ça sert à rien, honnêtement. C'est... Va bien tout droit là-bas. Ça sera la première là. Mais non, on va à gauche. Nous. D'accord. Donc, pour ça, je te dis, va bien à droite. Ok. Donc, on ait le temps de pouvoir bien tourner à gauche et ne descend pas. Donc, ça, c'est le contraire de tout à l'heure. On va faire à 2000, ça passe. Ça va pas plus bas. Là, tu peux te remettre en croisière. Hein, voilà. Tu peux te remettre. Non, c'est bon pour le soleil, tu peux y aller, voilà. Allez, on met tout bien à 80. Allez, allez, hop. Il va pas plus bas, hein, bon. Là, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Ah, c'est la petite gâterie, c'est bon. La petite gâterie. Ah, mais ça fait un exercice, hein. Avec le soleil en plus. Ah, fais gaffe, les éclairages, c'est vachement dangereux en montagne. C'est un truc auquel il faut vraiment bien penser. Là encore, ça va assez large, tu peux. Mais certains décollages, ça peut être dangereux. Hein. Certains décollages ou atterrissages, hein, c'est. D'ailleurs, ça fait partie de la reconnaissance qu'on fait. Oui, dans la reconnaissance haute ou basse. Haute. Ah bah oui, c'est pas la peine de faire la basse si tu peux pas la poser. Hein, ouais. Donc, non, mais par rapport au soleil, tu sais, quand on dit. Oui, mais je dis, voilà, c'est. Voilà, la reconnaissance haute, tu vas prendre en compte l'environnement et le terrain. D'accord. Donc si au niveau de l'environnement, tu sais que tu ne pourras pas poser soit à cause du vent, soit à cause de l'éclairage, soit à cause de quelque chose d'autre, voilà. Ben, c'est pas la peine de faire la basse. Ouais. Pousse, réduis un petit peu les gaz, qu'on soit pas trop rapide. Ça retire. Réduis un petit peu les gaz, voilà. Comme ça, on ira un petit peu moins vite. Voilà. Voilà, on remonte ça. Mais non, toujours pas. Allez, allez, on tourne. On tourne et on pousse. Allez, on pousse sur le marche. Et on tourne. Allez, vas-y, vas-y, tire un peu. Tire sur le manche, tire. Voilà. Ouais, on va tout droit. Pas, mais quoi. Voilà. Ça montera au uniforme, on monte à l'air pour la 31. C'est joli, là. Ah ouais. Ah ouais. Alors, on va faire gaffe qu'on risque d'être ébloui par le soleil de l'autre côté, là, ouais. Mais c'est pas grave, on ira tout droit et on montera. On va pas plus bas, ça sert à rien, honnêtement. C'est... Va bien tout droit là-bas. Ça sera la première, là. Mais non, on va à gauche, nous. D'accord. Pour ça, je te dis, va bien à droite. Ok. Donc, on ait le temps de pouvoir bien tourner à gauche et ne descend pas. Donc, ça, c'est le contraire de tout à l'heure. On va faire à 2000, ça passe. Ça va pas plus bas. Là, tu peux te remettre en croisière, hein, voilà, tu peux te remettre. Non, c'est bon pour le soleil, tu peux y aller, voilà. Allez, on met tout bien à 80. Allez, allez, hop. Il va pas plus bas, hein, bon. Là, c'est vrai, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Ah, c'est la petite gâterie, c'est bon.
ma petite gâterie. Oh, mais c'est un bon exercice, hein. Avec le soleil en plus. Faites gaffe, les éclairages, c'est vachement dangereux en montagne. C'est un truc auquel il faut vraiment bien penser. Là encore, ça va assez large, tu peux. Mais certains décollages, ça peut être dangereux. Hein. Certains décollages ou atterrissages, hein, c'est. D'ailleurs, ça fait partie de la reconnaissance qu'on fait. Oui, dans la reconnaissance haute ou basse. Haute. Ah bah oui, c'est pas la peine de faire la basse si tu peux pas la poser. Hein, ouais. Non, mais par rapport au soleil, tu sais, quand on dit. Oui, mais je dis, voilà, c'est. Voilà, la reconnaissance haute, tu vas prendre en compte l'environnement et le terrain. D'accord. Donc si au niveau de l'environnement, tu sais que tu ne pourras pas poser soit à cause du vent, soit à cause de l'éclairage, soit à cause de quelque chose d'autre, voilà. Ben, c'est pas peine de faire la basse. Ouais. Par contre, on est en étape de base, on a visuel sur le trafic à l'atterrissage, on aurait souhaité la 35e, si possible. Oh oui, c'est possible, bon, non, on rappelle établi final 35e. On rappelle établi final 35e, par contre. Par contre, numéro 1 maintenant. Avec Québec, numéro 2 derrière le 172 aux intentions. Piste 35 herbe autorisé atterrissage, vent calme. Autorisé atterrissage, piste 35 herbe, Fox Dragon. Dans Google for Parkinson, pour quitter tout à l'heure. Il pose une question avec Québec, il répond à toi en même temps, ouais. Du coup, t'auras qu'à le faire. C'est quoi? C'est 65 plein volé, ça, tu m'as dit tout à l'heure? Oui. Bah, fais le 65 plein volé, hein, ça fait atterrissage court. Alors. Oui. On essaiera de sortir. Donc, tu vises même très légèrement. Tu as mis ton troisième cran, là, comme ça. Ah non, c'est directement le quatrième, pardon alors. Bah, c'est pas grave. Et tu vises bah, très légèrement avant la piste. Oui. Tu vises presque même avant. Comment pas, poursuivre pour Fox, tu peux quitter. Au revoir, à bientôt. Au niveau de la taxiway, quoi. Tu vises le taxiway ou très légèrement avant. Très bien. Et tu vas viser dans les premier mètre, on pourra même dégager en Charlie 2. Ouais. Ça m'avait fait faire. J'avais fait le CTLS, le lâcher là, il y a quelques mois. Et après, voilà, tu le tiens à 60, quand tu arrives, tu le tiens bien au moteur là, ouais. Et dès que tu arrives sur la piste, pouf, tu réduis tout et il touche. Enfin, sauf si tu es à 10 mètres de haut. Voilà, impeccable. Impeccable. Là t'es quand même vraiment bas, hein, fais gaffe, hein, voilà. Et surtout t'es rapide, faut t'as pas réduit assez vite. Cadre le bien. Tu peux y arriver un petit peu vite. T'as pas pu réduire. C'est normal d'arriver à sortir là normalement. Voilà. Bien poursuivi, je vous rappelle dans quelques instants. Mais c'est à 65, il aurait fallu que je réduise bien plus tôt quoi. C'est contrôlé pour Charlie 2. Par contre, on est en étape de base, on a visuel sur le trafic à l'atterrissage, on aurait souhaité la 35e, si possible. Oh oui, c'est possible, bon, non, on rappelle établi final 35e. On rappelle établi final 35e, Dans le norme, numéro 1 maintenant. Numéro 1, Dans le norme pour la 35e. Avec Québec, numéro 2 derrière le 172 aux intentions. Herbe autorisé atterrissage, vent calme. Autorisé atterrissage, piste 35 herbe, Fox Dragon Noir. Dans Google for Parkinson, pour quitter tout à l'heure. Il pose une question avec Québec, il répond à toi en même temps. Ouais. Du coup, t'auras qu'à le faire. C'est quoi? C'est 65 plein volé, ça, tu m'as dit tout à l'heure? Oui. Bah, fais le 65 plein volé, hein, ça fait atterrissage court. Alors. Oui. On essaiera de sortir. Donc, tu vises même très légèrement. Tu as mis ton troisième cran, là, comme ça. Ah non, c'est directement le quatrième, pardon alors. Bah, c'est pas grave. Et tu vises bah, très légèrement avant la piste. Oui. Tu vises presque même avant. Comment pas, poursuivre pour Fox, tu peux quitter. Au revoir, à bientôt. Au niveau de la taxiway, quoi. Tu vises le taxiway ou très légèrement avant. Très bien. Et tu vas viser dans les premier mètre, on pourra même dégager en Charlie 2. Ouais. Ça m'avait fait faire. J'avais fait le CTLS, le lâcher là, il y a quelques mois. Et après, voilà, tu le tiens à 60, quand tu arrives, tu le tiens bien au moteur là, ouais. Et dès que tu arrives sur la piste, pouf, tu réduis tout et il touche. Enfin, sauf si tu es à 10 mètres de haut.
Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà, là t'es quand même vraiment bas, hein, fais gaffe, hein, voilà. Et surtout t'es rapide, t'as pas réduit assez vite. Cadre-le bien. Tu peux y arriver un petit peu vite. T'as réduit. C'est normal d'arriver à tirer là normalement. Voilà. Bien poursuivi, je vous rappelle dans quelques instants. 65, il aurait fallu réduire bien plus tôt, quoi. C'est contrôlé pour Charlie 2. Oh oui, c'est possible, bon, non, on rappelle établi finale 35 heures. On rappelle établi finale 35 heures, Tango Novembre. Numéro 1 maintenant. Numéro 1 Tango Novembre pour la 35 heures. Avec Québec, numéro 2 derrière le 172 aux intentions. Herbe autorisé atterrissage, vent calme. Autorisé atterrissage, piste 35 Herbe, Fox, Tango Novembre. Dans Google for Parking Fox, pour quitter tout à l'heure. Il pose une question, mais Québec, il te répond à toi en même temps, ouais. Du coup, t'auras qu'à le faire. C'est quoi? C'est 65 plein volé, ça, tu m'as dit tout à l'heure? Oui. Bah, fais le 65 plein volé, hein, ça fait atterrissage court. Alors. Oui. On essaiera de sortir. Donc, tu vises même très légèrement. Tu as mis ton troisième cran, là, comme ça. Ah non, c'est directement le quatrième, pardon alors. Bah, c'est pas grave. Et tu vises bah, très légèrement avant la piste. Oui. Tu vises presque même avant. Bon, poursuivez pour Fox, tu peux quitter. Au revoir, à bientôt. Tu vises le taxiway ou très légèrement avant. Très bien. Et tu vas viser dans les tout premiers mètres, on pourra même dégager en Charlie 2. Ouais. Ça m'avait fait faire. J'avais fait le CTLS, le lâcher là, il y a quelques mois. Et après, voilà, tu le tiens à 60, quand tu arrives, tu le tiens bien au moteur là. Ouais. Et dès que tu arrives sur la piste, pouf, tu réduis tout et il touche. Bah, sauf si tu es à 10 mètres de haut. Voilà, impeccable. Impeccable. Voilà, là t'es quand même vraiment bas, hein, fais gaffe, hein, voilà. Et surtout t'es rapide, t'as pas réduit assez vite. Cadre-le bien. Tu peux y arriver un petit peu vite. T'as réduit de réduire. C'est normal d'arriver à tirer là normalement, voilà. Bien poursuivi, je vous rappelle dans quelques instants. 65, il aurait fallu réduire bien plus tôt, quoi. C'est contrôlé pour Charlie 2, Tango Novembre. Tango Novembre, on est en étape de base, on a visuel sur le trafic à l'atterrissage, on aurait souhaité la 36e, si possible. Oh oui, c'est possible, Tango Novembre, on rappelle établi finale 35e. On rappelle établi finale 35e, Tango Novembre. Tango Novembre, numéro 1 maintenant. Numéro 1, Tango Novembre pour la 35e. Avec Québec, numéro 2 derrière le 172 aux intentions. Piste 35 Herbe autorisé atterrissage, vent calme. Autorisé atterrissage, piste 35 Herbe, Fox, Tango Novembre. Dans Google for Parking Fox, pour quitter tout à l'heure. Il pose une question, mais Québec, il te répond à toi en même temps, ouais. Du coup, t'auras qu'à le faire. C'est quoi? C'est 65 plein volé, ça, tu m'as dit tout à l'heure? Oui. Bah, fais le 65 plein volé, hein, ça fait atterrissage court. Alors. Oui. On essaiera de sortir. Tu vises même très légèrement. Tu as mis ton troisième cran, là, comme ça. Ah non, c'est directement le quatrième, pardon alors. Bah, c'est pas grave. Et tu vises bah, très légèrement avant la piste. Oui. Tu vises presque même avant. Bon, poursuivez pour Fox, tu peux quitter. Au revoir, à bientôt. Tu vises le taxiway ou très légèrement avant. Très bien. Et tu vas viser dans les tout premiers mètres, on pourra même dégager en Charlie 2. Ouais. Ça m'avait fait faire. J'avais fait le CTLS, le lâcher là, il y a quelques mois. Et après, voilà, tu le tiens à 60, quand tu arrives, tu le tiens bien au moteur là. Ouais. Et dès que tu arrives sur la piste, pouf, tu réduis tout et il touche. Bah, sauf si tu es à 10 mètres de haut. Voilà, impeccable. Impeccable.
Voilà, là t'es quand même vraiment bas, fais gaffe, hein, voilà. Et surtout t'es rapide, faut t'as pas réduit assez vite. Cadre-le bien. Tu peux y arriver un petit peu vite. T'as pas pu réduire. C'est normal d'arriver à sortir là normalement. Voilà. Bien poursuivi, je vous rappelle dans quelques instants. Mais 65, il aurait fallu réduire bien plus tôt quoi. C'est contrôlé pour Charlie 2.